Les réactions ne se sont donc pas faites attendre. Hier, à la surprise de beaucoup d'élus lyonnais, toutes tendances confondues, Michel Mercier et Gérard Collomb ont annoncé leur volonté de créer une métropole européenne. Pour rappel, sur son territoire, le Grand Lyon hériterait de toutes les compétences du Conseil général. Le département, lui, ne s'occuperait plus que des territoires ruraux, comme le Beaujolais. Certains élus montent aujourd'hui au créneau en dénonçant un manque de concertation. On va avoir des sommes qui sont quasi équivalentes au budget actuel du Grand Lyon, comme je vous le disais, de plus d'un milliard, un milliard cinq d'euros en nouvelles dépenses et sans doute des nouvelles recettes, mais à voir. Et tout ça se passe sans qu'on ait étudié de manière très précise ce qui va incomber demain à la métropole, dont le musée des confluences, la garantie d'emprunt du Grand Stade. Il faut faire attention, concentrant les pouvoirs sur le Grand Lyon, à ce que les citoyens puissent continuer à avoir un accès relativement direct à leurs élus, et à concentrer les pouvoirs finalement sur la collectivité qui est élue au suffrage universel indirect, eh bien je crains qu'on éloigne un peu plus le citoyen de la décision.